Dieu vous soit favorable. Amis de la radio émission Neshama, moi salut ou. N'apprécie non Christ la sauve nous. Et c'est Vespéral. J'aimerais vous présenter une nouvelle vidéo pour la gloire de notre divin sauveur. Moi content les ou abonner, les ou partager, les ou quitter un message. Ça montre que ou apprécier travail qu'a fait là. Et normalement à souhait, moi voulais faire au connait. Est-ce que vous te connait d'abord Dieu ça l'y guérit, l'y sauver, l'y délivrer et l'y capable de faire toute bagaille. Ça bon Dieu pas faire c'est seulement péché. L'y pas qu'à péché. Mais l'y capable de faire toute bagaille. Alléluia. Et normalement Dieu est un Dieu guérisseur. Je suis le Seigneur qui t'ai guéri. En Exode chapitre 15, le verset 26, le fait peuple y a connaît, c'est moi-même seul qui ai droit pour guérir. Pas de personne monde qui capable guérir. Et en pile mon a cherché guérison, la même Marasa Dolorosa, baron samedi, baron la croix, baron criminel, baron cimetière, y a cherché une solution la caillou, mais y a pas capable guérir. C'est Dieu seul qui peut les guérir. Le Christ est un Christ guérisseur. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? C'est un Jésus qui est capable de guérir. Par les maîtres issus de qui vous avez été guéri. Dans Psaume 2, le verset 24. La parole est une parole de guérison. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Dans Psaume 107, bon Dieu voyez parole li, verset 20, et li guéri. Comment t'es capable de moi à l'étranger, et puis m'a prié là, à guérir yon moun qui en Haïti. Là, le guérir yon moun qui Provo, qui Nassau, hein, qui Miami, pour montrer l'efficacité de la parole de Dieu. Wow! C'est un Dieu comme ça nous doit être servi. L'église du Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament était une communauté de guérison. OK, l'église du Nouveau Testament, c'est l'église de guérison. Les 120 ils ont réuni à la chambre haute pendant la prière comme ça, la manifestation commençait et commençait fait, ils ont parlé des nouvelles langues et guérison en fait. Amen. Et par les mains le Seigneur, du Dieu vivant, ok, il guérit nous, il délivre nous. Les apôtres étaient de nombreux signes et prodiges accomplis parmi le peuple. Acte 5, le verset 12. Pierre, je vais monter dans à la 9e heure pour la prière. Yo rencontré yon serviteur, yon messier qui te qu'on a demandé au monde, qui a demandé l'argent devant ta plan. Et pendant messier a demandé messier yo, et puis Jean-Pierre gardé messier, il dit bon, nous pas gain absolument rien pour nous offrir yo. Mais ça nous gain n'a baoul. Nous pas gain l'or, nous pas gain l'argent, mais au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche. OK? Nous pas gain l'argent, nous pas gain l'or pour nous boire, mais au nom de Jésus, n'a boyon bagay qui meilleur, qui plus que l'argent. Lever et marcher. C'est l'efficacité de la parole de Dieu. Eh bien, Dieu veut que son église, c'est un instrument de guérison aujourd'hui. Bon Dieu voulait dans le monde entier que l'église là capable servir guérison des nations. Même je dis dans Apocalypse, il dit et chaque monde qui mange dans pied bois et fait il suffit pour guérir, il va servir guérison des nations. Et bon Dieu voulait pour l'église là capable impacter le monde, pour l'église là monde capable joindre guérison à travers l'église de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament
évangélisme inclut eh bien la guérison miraculeuse. Lorsque nous parlons d'évangélisation du Nouveau Testament, eh bien nous entendons ce type d'évangélisation qui est inspiré ouin et habilité par le Saint-Esprit et attesté par le même signe, prodige et miracle qui ont suivi le ministère de l'Église primitive. Et l'Église primitive était rété en bas onction de la prière. Puisque y a rété la caille bon Dieu, y a vingé c'est ce qu'on appelle l'onction. Combien pasteurs, combien membres de l'Église qui perdu l'onction, y a au dimanche lunettes spirituelles. Lorsqu'on gagne lunettes spirituelles et où c'est guérisseur, qu'il a pour guérir moun, c'est au nom de Jésus. Mais gagne un peu le monde, c'est l'onction y a fait. Aller dans la pharmacie, acheter pour qui gagne toute qualité, non, pour faire bien. Mais c'est au nom de Jésus-Christ. Guérison doit être faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et malheureusement, de nombreux ministres dans les pays et occidentaux, eh bien, comptent sur le talent, la formation, et personnalité, capacité organisationnelle, publicité, etc. Et n'est dépendant guère de la de l'esprit de Dieu, de la personnalité de Dieu ou de l'esprit de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et l'Esprit Saint, d'où la rareté et des signes miraculeux accompagnant leur ministère, ok, l'Église primitive avait si peu des choses en lesquelles beaucoup mettent leur foi aujourd'hui. Eh bien, ils n'avaient aucun prestige ou statut et dans la communauté. Ils n'avaient